a été d'abord par Jalavat sur la chaîne Will Mastro Reaction. Là, on va se diriger aujourd'hui, enfin, ce soir, sur une artiste. Alors, je vais me répéter, mais je la trouve ultra talentueuse. Il s'est passé des choses, alors, j'aimerais connaître réellement ce qui s'est passé, mais bon, ça après, il y a quelqu'un qui pourra nous le dire. Mais sur une artiste que je trouve ultra talentueuse, parce que comme je vous le dis, je la suis sur Instagram, elle poste des réels et des vidéos où ça me file des frissons. Et j'aimerais, mais ça après c'est pas moi qui décide, hein, j'aimerais franchement, j'hésite même à faire une pétition pour la remettre sur le devant de la scène parce que franchement, elle a un talent absolument dingue. Alors après, est-ce qu'elle veut ou pas? Bon, alors je vais vous dire qui c'est. C'est Sabina Mustaeva. Franchement, je trouve qu'elle a un talent et une voix incroyable. Alors je ne vais pas me répéter, hein, dû à son grand-père qui faisait du jazz, machin, donc forcément... Ça vous donne un peu de piste pour votre façon de chanter, je pense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sabina Mustaeva, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres sur la chaîne. N'hésitez pas, j'en ai fait quelques-uns, 5, je crois, 5, 6, un truc comme ça. Peut-être moins, mais voilà, on est plus dans cette tranche-là. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous ne la connaissez pas plus, descendez dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Alors, le deuxième lien, c'est la chanson. C'est la chanson du seul chanteur où je suis fan. Elle va nous reprendre pour... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises, hein, quand même. Je vais savoir d'où c'est que ça vient. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Que je vous dise pas de grosses bêtises. C'est... Ben non, ils disent pas d'où c'est que ça vient. Donc, nous allons nous diriger sur la reprise de Earth Song par Sabina Mustaeva. Et alors, franchement, n'hésitez pas. Si vous appréciez, mettez un pouce, un commentaire, ça aide la chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça l'aide aussi. Et n'oubliez pas, si vous appréciez la chaîne, le petit logo qui est juste là, juste là, vous cliquez dessus, ça vous permet de vous abonner gratuitement, totalement. Et n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications pour justement recevoir toutes les notifications des vidéos qui sortent ou des posts ou voilà, ou des enfin bon, je fais pas d'autre chose. Mais bon. N'hésitez pas, et si vous voulez aider encore plus la chaîne économiquement, tous les liens sont dans la description, le PayPal, le Patreon, le Donation Alert, le Buy Me a Coffee, et mon VK, mon Rutube, et mon Telegram, j'ai quasiment tout, et mon Instagram aussi, si vous voulez me rajouter sur Insta. Donc n'hésitez pas, parce que moi, sur Insta, je suis énormément de personnes, enfin... Je suis les artistes et Sabina fait énormément de live. Alors, je comprends rien du tout, hein, mais elle chante. C'est le principal. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. On va y aller tranquillement. Ça fait quasiment... Eh oui, quand j'aime bien l'artiste, j'aime bien parler. On me dit blablabla, blablabli. Oui, mais j'aime bien. Voilà, donc on est parti pour ce titre. Sabina Mustaeva avec Earth Song. Allez, à tout de suite pour mon ressenti. Je vous aime vraiment très fort. À tout de suite.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? To the world, look what we've done. What about all the peace that you pledged you only signed? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the people that from did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? To dream, I used to glance beyond the stars. No, I don't know who we are. Oh, don't be a dream.
N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Honnêtement, sincèrement, je suis... Enfin, j'ai passé mon temps à avoir des frissons parce que... Alors, il me semble que c'est en Ouzbékistan que ça a été tourné, il me semble. Mais franchement, je suis toujours autant impressionné parce que cette vidéo date de 2020, donc il y a 3 ans. Donc, elle devait avoir 18-19 ans. Et je peux vous dire que voyant ses vidéos sur Instagram, elle a énormément progressé vocalement. Et déjà là, je la trouve vraiment, vraiment très très intéressante. Vraiment, elle mérite sa place sur... Alors après, est-ce qu'elle le veut? C'est bien comme je disais en première partie, est-ce qu'elle... Je pense qu'elle veut parce que... Elle fait beaucoup de vidéos Instagram où elle chante, donc elle n'a pas oublié cette partie de... Alors après, est-ce qu'elle veut faire partie, est-ce qu'elle veut faire carrière dans la chanson? Je pense que ça serait un gâchis monumental de ne pas le faire parce qu'elle a un talent fou, elle a une voix absolument incroyable. Et puis voilà, c'est une des voix, parce qu'il y a des personnalités il y a des voix qui me plaisent énormément, il y en a beaucoup qui me plaisent énormément, mais il y en a vraiment 3-4 qui me touchent vraiment, et Sabina, elle a vraiment une voix vraiment où je pense qu'elle peut faire une carrière de ouf. Parce qu'elle a toute la technique, mais il manque un petit truc pour qu'elle puisse exploser tout le monde. Et voilà, je vous roule dessus. Non, je plaisante. Non, c'est pas le but. C'est de vraiment faire sa carrière et de pouvoir. Il faudrait qu'elle fasse un duo avec quelqu'un qui puisse la remettre sur le devant de la scène et la rebooster. Parce que franchement, elle le mérite amplement. Bon, allez, on va pas faire plus long, parce que là, on en est déjà à 13 minutes avec une vidéo de quasiment 6 minutes. Et 3 minutes avant, j'ai été un peu long. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain sans faute pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. On se retrouve sans faute demain. Ben voilà, je vous aime très fort. Allez, à demain. Et... Sabine, reviens s'il te plaît, ou refais des vidéos plus longues, parce que là, les posts Instagram, j'aimerais bien y réagir, mais ça fait 1 minute 15, c'est trop court, c'est trop bon, mais c'est trop court, donc il faudrait faire plus de vidéos, donc pour ceux qui connaissent Sabina, n'hésitez pas à lui dire qu'il y a un petit français qui aimerait bien réagir à ses vidéos, qu'elle en fasse des plus longues, de 3-4 minutes, ça serait bien. Pour pouvoir réagir dessus. Et vous, n'hésitez pas à me proposer des liens. Attention, j'en ai déjà fait. J'ai fait Think, pas mal d'autres vidéos sur elle, 5 ou 6. Donc n'hésitez pas à aller voir là-haut. Mais franchement, je kiffe cette voix. C'est franchement, voilà. Bon, bref, on va pas redévelopper. Je vous dis à demain. Bonne soirée, enfin bon après-midi, bonne. Voilà. Et on est parti. Parce que là, ça fait 14 minutes, ça fait long. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à demain. Je vous aime.